c'est vrai, vous aimez le blues? Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Ouais, le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal. Que j'ai mal en crever. Ça, c'est le blues. Ça fait quelques années que je voulais faire absolument cet album pour pouvoir justement faire, refaire, disons, la musique qui sont mes racines en quelque sorte, qui viennent du blues, du boogie-woogie, de la musique texane. C'est très varié. Alors, on s'imagine toujours, quand on parle de blues, que le blues, c'est le vieux blues des années 45, où c'était « I'm gonna leave you, baby, I'm gonna leave you tonight ». Mais le blues, c'est pas que ça. Le blues, c'est une panoplie de musique qui vont du sud à la musique cajun. Même le country, ça fait partie du blues. Johnny Cash a fait plein de chansons de blues qui font partie du folklore américain. J'ai la chance d'avoir des gens en France qui sont des gens qui aiment la même musique que moi, comme Yvan Cassar, par exemple, avec qui j'en avais parlé déjà depuis deux ans, avant qu'on ait démarré la tournée précédente. Et lui était très intéressé de travailler aussi, de faire un album tendance blues, disons. C'est vrai que ça a été un long combat parce que c'est une musique difficile, exigeante et évidemment éminemment difficile à faire en français. Alors le blues traditionnel, comme on le faisait, comme je disais tout à l'heure, dans les années 45, on ne peut pas trop le faire parce que là, les paroles sont vraiment trop simplistes. On s'est dit, comment on peut faire le plus bel album possible qui ressemble plus à Johnny, à toutes les musiques qu'il a aimées, écoutées et au grand interprète qu'il est. Donc moi, je voulais quand même faire un album blues, mais à la portée de tout le monde. Donc je ne dis pas blues commercial, mais blues à la portée de tout le monde, à la portée des gens qui ont 15 ans aujourd'hui, ou de ceux qui ont 30 ans, ou de ceux qui ont mon âge. Un retour en arrière, en quelque sorte. D'abord, on n'a pas fait de vieilles chansons, on a fait que des chansons originales. La seule adaptation d'une chanson ancienne que j'ai faite, c'est la chanson de Francis Cabrel, qui est une chanson que j'ai toujours beaucoup aimée, que j'avais vraiment très très envie de faire, qui était Sarbacane, qu'on a voulu refaire, nous, dans une ambiance plus blues. C'est une chanson que j'ai toujours adorée, que j'ai toujours eu envie de chanter. Donc pour moi, c'était l'occasion de la faire dans cet album, avec des musiciens comme Dole Bramhall, qui est le guitariste d'Eric Clapton, qui nous permettait de donner un son blues à cette chanson, blues du Sud, un petit peu. Pas besoin de face ni de long discours. Ça change tout dedans, ça change tout autour. Notre parti pris, on en a beaucoup parlé avec Johnny avant de l'enregistrer, notre parti pris électrique prenait une vraie distance avec le parti pris acoustique de la version de Francis Cabrel. C'est une chanson que j'aime beaucoup, donc j'étais très heureux de pouvoir la faire dans cet album. Et puis te voilà, boule femme, comme soufflé d'une sarbacane. Ça, toute la fin, c'est 12, hein? C'est la 12. Il a beaucoup, beaucoup travaillé parce qu'il voulait vraiment être content et que Francis Cabrel soit content de sa version. Enfin, il y avait un vrai respect. Je crois qu'il y a un vrai respect entre ces deux hommes. Yes? Bien. N'oublie pas, comme le roseau, comme un oiseau. C'est ça la mélodie, hein? Comme une liane, comme le roseau. Je viens de le faire comme ça. Non, t'as fait comme le roseau. Ce que j'ai adoré, c'est finalement de redécouvrir complètement ce texte sous un autre éclairage. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi.
Bah, ouais. Il faut devenir un homme. Il faut devenir. Exactement. Mais quand vous enregistrez, par exemple, quand vous avez enregistré Être un homme, les prises de voix avec Yvon Cassar, ça a été assez long. En fait, vous êtes assez pointilleux et tous les deux, vous luttez pour aller au meilleur, tous les deux. Après, oui, parce que moi, j'ai une vision sur certaines choses, sur le phrasé surtout. Et lui, il en avait d'autres. C'est lui qui a écrit la musique, donc lui, il savait exactement ce qu'il voulait. Ça creuse des ravages, nous détruit. La plupart des chansons de cet album demandent vraiment un talent d'interprète. Vraiment, elles sont extrêmement exigeantes, tant autant de la dynamique, du phrasé, de la rapidité, le placement dans le rythme. Voilà, faire passer les émotions, le texte, plus toutes ces difficultés, c'est vrai que c'est... Voilà, et puis, encore une fois, il me poussait toujours en me disant « Je veux que ça soit parfait, il n'est pas question qu'il y ait une note, un mot qui ne me plaise pas dans cet album. » Voilà, c'est... voilà, donc moi, mon but, c'était aussi de soutenir et face à un mini découragement, dire « On continue, voilà, parce qu'il voulait voilà, atteindre vraiment une perfection dans sa manière de chanter. Exactement. Et ouais, moi c'est pas normal pour moi, mais bon. Bah. Tu vois, je veux dire, c'est contre mon feeling. De... Bah alors, tu sais quoi, fais-le autrement. Hein. Parce que tout à l'heure, tu faisais décaler, ça m'a. Bah, tu vois. Bah oui, mais en même temps, faut. Tu vois, si tu. Enfin, ça me va, moi, si c'est autrement. Hein. J'aime bien apprendre que je sais pas. La peur s'installe en nous. La peur. Ouais, c'est bien. C'est bien, mais juste le son de la voix est un peu trop différent. Je sais pas ce que tu fais. Fais un truc pour faire mystérieux, tu veux. Non, mais c'est bien, mais du coup, t'as un peu... C'est pas, ça devient un peu du nez, je sais pas. Est un homme. Est un homme. On a tous une façon différente de voir la musique, mais le principal, c'est de s'accorder et puis finalement de faire, au résultat, de faire quelque chose de cohérent, surtout. Être un homme, yes. Et enfin, être un homme. Ouais, c'est pas mal, cette mélodie. Non ? Ouais. Allez, une dernière pour notre plaisir et puis c'est fini. Être un homme. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. C'était difficile, celle-là, mine de rien. Se construire sans jamais se mentir, s'élever pour devenir un homme, pour bâtir tout un avenir, se lever et enfin... Le blues, ce sont des... Ce sont des textes qui des textes simples qui s'adressent d'hommes à d'autres hommes ou à des femmes. Et ça parle de la vie, ça parle de la vie, ça parle de ses peines, ça parle de ses joies, ça parle de délivrance, ça parle de tristesse, d'espoir aussi. Non, ce sont des paroles humaines avant tout, des paroles qui parlent de la vie de tous les jours. C'est vrai que cette chanson, elle a été écrite dans la nuit. C'était la première chanson de Pub Zulu. C'était après un dîner, vous aviez dîné ensemble. Oui, on avait dîné ensemble avec Bruno. Et puis je lui ai dit un jour, je lui ai dit, écoute, tu devrais m'écrire des textes. Et puis on a beaucoup parlé ce soir-là, on a parlé un petit peu de la vie. Et il m'a écrit cette chanson dans la nuit, il m'a envoyé le texte. Ben voilà. Donc on a changé quelques paroles pour que ça s'adapte à la musique. Mais on n'a pas du tout changé le sens de la chanson. Mais où sont tous ces gens que j'aimais ? Je serai seul à tout jamais. Tout ce temps qui file ne revient pas. Comme un voleur, il s'en va.
je me positionnais pas du tout comme un compositeur dans cet album. J'étais vraiment le réalisateur, j'accompagnais le projet. Et puis il m'a donné ça, ça m'a inspiré. Avec mon ami Laurent Verneret, qui est bassiste aussi de son groupe, on s'est retrouvés autour d'un Wurlitzer, voilà, en se disant tiens, travaillons. Parce que c'était un texte difficile, parce que très littéraire, voilà, très fourni. Donc comment le mettre en musique? On a fini par trouver à faire une chanson. Et puis je lui ai fait écouter comme ça, j'étais pas sûr. J'ai dit qu'est-ce que t'en penses? Et puis tout de suite il m'a dit j'adore. Par contre, je reviens dans tes bras. Alors là, il y a un casting de musiciens qui est complètement fou. Pas mal de musiciens avec lesquels vous aviez déjà travaillé, comme Abraham Laboriel Junior, batteur. Et puis là, j'ai eu le père. Le père, c'est rare. Et, oui, parce que vous savez, le père, c'est une star. C'est le meilleur bassiste du monde. C'est une star aux États-Unis, c'est une star partout dans le monde entier. Il a joué avec les plus grands. Et je crois que c'est la première fois, ou en tout cas, une des premières fois où le père et le fils jouent en même temps dans une séance de disques. All right, on y va. 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 D'avoir la famille au complet, c'était vraiment c'était très très touchant de les voir tous les deux se regarder. Doyle Bram Hall, on en a parlé tout à l'heure, musicien Clapton. Brian Ray, qui avait déjà joué avec vous et qui a fait une petite infidélité sur la dernière tournée. Il était parti un peu avec McCartney. Il est parti avec McCartney, bah oui. Mais vous le partagez. Il avait un très beau contrat, je peux pas dire. Alors, on vous a surpris un peu dans l'enregistrement de lui parler de votre tournée de 2009 en disant oui, mais les répétitions, on commencera là. Et puis, vous étiez en train de booker un peu tous vos musiciens parce qu'il y avait du monde ce jour-là. Je suis en train, oui, je suis. Oui, vous savez, j'ai pris tellement de plaisir à faire cet album que finalement, les musiciens avec qui j'ai travaillé sur cet album, j'ai pris un peu d'avance en leur parlant de ma prochaine tournée, en leur disant que c'était un peu le style de musique que je voulais faire dans ma prochaine tournée, et en leur disant, écoutez, n'essayez de n'en rien prendre en 2009 parce que vous serez avec moi. Vous êtes très fidèle en fait, parce qu'un album, album de blues, sans faire une petite référence à quelqu'un avec qui vous travaillez depuis longtemps, je parlais de Michel Mallory, vous l'auriez peut-être pas fait. Vous vouliez absolument avoir une chanson de lui dans l'album. Oui, parce qu'on avait commencé à l'époque, il y a ça assez longtemps, j'avais fait cette musique, de toute la musique que j'aime, et lui m'avait fait, m'avait écrit le texte. Et puis c'est une chanson qui a toujours plu aux gens. C'est vrai que je n'ai jamais pu en spectacle. Enlever cette chanson de mon tour de chant. Les gens l'attendent. Les gens l'attendent au même titre qu'ils attendaient Que je t'aime ou Gabriel ou des chansons comme ça. Et c'était bien de boucler la boucle. La voix d'un chanteur qui se brise sous le soleil d'un projecteur. Chavirer les foules, l'expression me plaisait. Le mieux, c'est de la faire, de la proposer dans cette énergie, finalement, très simple, très contenu, mais avec comme ça beaucoup de vigueur du dobro et de l'harmonica. C'est vrai que cette chanson fait partie de la même famille que toute la musique que j'aime. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais disons que c'est une fidélité par rapport à la chanson que nous avons faite il y a quelques années. Vous, madame, là, c'est un sujet extrêmement dur. On parle de la mort, vous parlez de la mort. Madame, c'est la mort. Oui, mais enfin, il y a de l'espoir quand même, puisque je dis quand même, ne m'attendez pas, je ne serai pas au rendez-vous ce soir. Vous reculez, vous dire, j'ai le temps. J'ai le temps, bah oui, j'ai le temps. Il y a plein de choses à faire. Ça va, j'ai le temps, oui. Musicalement, on est au contraire parti dans quelque chose qui soit assez dynamique. Et qui soit plus dans une idée du blues à l'ancienne, tel que les Stones l'auraient fait il y a 30 ou 40 ans. Moi, j'ai énormément tenu à ce que ce soit essentiellement des guitares, parce que dans le blues, c'est toujours la guitare et l'harmonica. Et essentiellement, dans presque toutes les chansons qu'on a fait, les guitares, c'est surtout des dobros et des styles guitares et l'harmonica, tout ce qui accompagne le blues traditionnel. Il y a une fille en toi qui m'aime. Il y en a même que...
dans les jeunes auteurs-compositeurs, il y a Blondin qui revient, ouais, ouais. Et c'est pas la première fois que vous travaillez avec lui. Non, mais c'est pas la première fois, mais je lui ai demandé d'écrire des choses pour moi. Je lui ai fait écouter plein de disques avant de direction, de blues que je voulais faire. Parce qu'on ne le sait peut-être pas, parce qu'il écrit pour beaucoup de gens, il a écrit pour moi, il a écrit aussi pour d'autres. Mais Fred Blondin est un compositeur qui est avant tout un compositeur de blues. C'est-à-dire, au départ, sa vraie musique, c'est le blues et le rock'n'roll. Bon. Il a fait deux chansons dans l'album qui sont vraiment très intéressantes. Je reviendrai dans tes bras. Et aussi Laquelle de toi, qui est une chanson... Que j'aime beaucoup. C'est vrai que Johnny était très à l'aise et Fred nous a fait pas mal de chansons. On aurait pu mettre encore plus de chansons après entre les tempos, les styles, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais déçu avec lui. Always, c'est un vin qui se perd dans ma main. Always. Always, vous êtes parti, c'est le premier single, et vous êtes parti dans un univers encore différent, peut-être plus country. Disons que c'est du blues, mais beaucoup plus country que blues traditionnel. J'ai dit toujours que c'est une chanson pour les filles, pour les femmes. Parce qu'on parle d'amour, on parle beaucoup d'amour. Ça parle d'amour, bien sûr, mais vous savez, le blues, ça parle d'amour. Il n'y a pas que du désespoir dans le blues, il y a aussi de l'espoir. C'est vrai que le langage harmonique du blues, finalement, tout le monde le connaît, et c'est bien ça qui est difficile, on est à 3-4 accords. Et toute la différence, toute la richesse, c'est évidemment les instrumentistes, les solistes, les guitaristes, les harmonicistes, mais c'est d'abord le chanteur. C'est cette manière de transmettre, cette manière de voyager dans le temps, cette manière d'ornementer. Finalement. Et c'est ce qui fait la marque des grands chanteurs, des grands interprètes et des grands bluesmen. C'est vrai qu'on est dans une couleur dans cet album. Et puis d'un seul coup, on est vraiment dans le blues traditionnel quand il y a la venue de Taj Mahal. Ah oui, mais Taj Mahal, vous savez, c'est un de mes bluesmen préférés. Et il a eu la gentillesse de me dire tout de suite, oh oui, ça je veux absolument jouer de la guitare pour Johnny dans son album de blues. Parce qu'il avait entendu la version que j'avais faite il y a quelques années de Tony Joette, la guitare fait mal. Et puis quand il y était, pendant qu'il y était, je lui ai dit, mais tu parles cajun, toi, tu parles un peu français. Il fait, je parle pas trop bien, mais bon, avec son accent américain. Et je lui ai dit, j'aimerais bien que tu fasses un couplet. Elle va te rendre fou à partir au matin. Donc il a chanté un couplet en français, qu'il a écrit phonétiquement pour l'accent. Et puis bon, je trouve qu'il s'en est bien sorti parce qu'il parle pas, il parle presque pas français, il parle cajun. Elle va te rendre fou à partir au matin. Tu vas l'aimer si bien. Vous avez besoin d'aide peut-être. Pardon ? Vous avez besoin d'aide peut-être. Ça va, mais c'est toujours bien d'avoir le patron avec nous. You need some help, maybe. C'est un homme d'une générosité incroyable qui est arrivé. Comme c'est, qui nous a pris vraiment, littéralement, subjugué, donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait nous donner. Et on a vécu, c'est vrai, une journée dont on se souviendra tout le temps. Elle va te rendre fou à partir au matin. Tout va l'aimer si bien à compter son lendemain. On reste là et retient tant de paix. Début de la séance, il s'amuse avec une contrebasse. Bon, après, il fait la guitare. Ouais, c'est un génie. Il joue l'harmonica. Oh, et puis, c'est tout ce que j'aime comme musique. Il fait de l'harmonica, il fait tout. Pas besoin que tu parles. Regarde-moi. Ouais. Fromage. Oui, vraiment. Moi, j'ai le regard du corps. Ça sent remis avec les bras. Parfois je veux la vie d'un autre,
parfois je rêve d'une autre vie, d'une vie qui serait la nôtre, d'une vie qui serait la vie. Que restera-t-il ? C'est pareil, ça semble aussi très très autobiographique, cette chanson. Et en même temps, quand vous l'avez travaillé, quand vous l'avez chanté avec Yvon, c'était aussi un peu compliqué. C'est une balade et c'était compliqué à l'enregistrer. C'est pas que c'était compliqué, c'est que je ne voulais pas. Parce que c'est très facile de chanter une belle chanson avec un beau texte, une jolie mélodie, et c'est facile que ça devienne tout de suite une chanson, comment pourrais-je dire, commerciale. Vous voyez, ce que j'ai pas envie de faire, enfin j'ai voulu pas faire pour cet album en tout cas. Sera-t-il de ma voix devant l'éternel ? Que restera-t-il ? Une des grandes qualités pour moi de toutes ces interprétations de cet album, c'est la dynamique de chant. C'est-à-dire que du pianissimo au fortissimo, de l'émotion pure dans sa retenue, dans l'intimité, à l'explosion de l'immense interprète. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est un cadeau qu'il nous a fait pendant toutes ces sessions, et qui a été vraiment une révélation et vraiment très 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 émouvant. Et quand on parle de que restera-t-il, c'est vrai que vu la gravité du sujet, c'était une chanson qui était difficile à enregistrer, mais moi il m'arrivait quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai pleuré après la première prise, et ça fait quand même quelques années que je fais ce métier, que je suis en studio à enregistrer des voix, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Que restera-t-il de moi ? Au départ, ce que j'ai fait de ma vie, c'était un rhythm and blues. Il y avait des cuivres très, très, comment dire, un petit peu comme ce que fait Joe Cocker aujourd'hui. Tout me semble vide, comme un homme seul face à lui-même, sans plus aucun défi, et que plus rien n'étonne, comme si tout était écrit. Qui enfin s'abandonne et jette quoi de ma vie. Je voulais enlever ce côté rhythm and blues pour que ce soit plus blues. Mais c'est quand même une chanson, c'est quand même une très belle chanson. On avait envie de la débarrasser de toute cette espèce de fausse emphase qui aurait pu donner les cuivres.